Bonjour, belle communauté de l'envol, je suis Axel. Aujourd'hui, je vous propose 10 minutes pour faire une pause. 10 minutes pour prendre soin de vous. 10 minutes pour respirer. Nous allons faire quelques mouvements en position debout, puis quelques mouvements en position assise, soit sur un tapis, comme je l'ai installé ici, soit sur une chaise, ou un canapé si c'est plus confortable pour vous. Pour vous installer au sol, vous pouvez mettre une serviette, des coussins ou simplement être sur la moquette. Vous pouvez pratiquer cette séance quand vous le souhaitez dans la journée, le matin, le soir pour vous détendre ou à un moment donné de la journée où vous avez besoin de souffler un petit peu. Vous êtes prêts? Vous êtes tous installés? Alors c'est parti! Pour débuter cette séance, posez bien vos pieds à plat sur le sol et venez joindre vos mains devant vous. Les yeux fermés, respirez à votre rythme. Essayez de vous tourner un petit peu vers l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous prenez conscience de vos pieds qui sont posés sur le sol, de vos jambes qui sont tendues. Vous avez conscience aussi de vos mains qui sont posées sur votre thorax. Votre thorax qui se soulève doucement à chaque inspire. Vous avez conscience également de votre respiration. L'air un petit peu frais qui rentre quand vous inspirez, puis l'air un petit peu plus chaud qui ressort à chaque expire. Ne forcez pas votre respiration, suivez simplement son rythme. Laissez faire pour le moment. Vos épaules commencent à se détendre, elles sont relâchées. Votre tête est droite. Vous pouvez simplement incliner légèrement le menton vers le bas, très légèrement. Voilà. Vous êtes magnifique. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Nous allons maintenant monter les bras vers le ciel. Et en montant les bras, on va prendre une grande inspiration. Montez les bras en inspirant. Et doucement, relâchez-les en expirant. On va refaire cet exercice. Vous joignez vos mains au-dessus de votre tête. Et si c'est possible, cette fois-ci, vous allez diriger votre regard vers le haut, votre regard vers vos mains jointes. Vous êtes prêts? On inspire, on monte la tête et on vient regarder les mains qui sont en haut. On pense à bien relâcher ses épaules. La tête n'est pas emprisonnée dans les bras. Les épaules sont relâchées. Seuls les bras sont vers le haut. On souffle et on redescend. On va refaire ce mouvement encore deux fois. Et au fur et à mesure, vous sentez que vous vous étirez un peu plus à chaque fois. Et vous soufflez pour relâcher. Au moment où vous vous étirez, vous pouvez rentrer votre nombril en direction de la colonne vertébrale en inspirant. Ça permet au dos de se détendre. Et vous soufflez en relâchant. Parfait. Maintenant sur les côtés. Les bras tendus. Vous allez pousser un petit peu vers la gauche. Puis un petit peu vers la droite. Le bassin ne bouge pas. Il n'y a que le haut du corps qui passe délicatement de la gauche à la droite.
ratendu. Si ce n'est pas confortable pour vous, mettez vos mains sur la taille. On inspire sur le côté, on souffle au milieu. On inspire de l'autre côté et on souffle au milieu. Allez, encore une fois de chaque côté. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle. On va faire des petits mouvements de rotation des mains dans un sens, puis dans l'autre sens. Gigotez tous vos doigts. Relâchez vos bras. Ces quelques mouvements d'étirement nous ont permis de décristalliser des tensions localisées au niveau du dos et au niveau des bras. Ce qui est important maintenant, c'est de remettre un petit peu d'énergie pour qu'elle circule partout dans votre corps. Pour ce faire, nous allons reprendre l'exercice du début. On inspire, on monte les bras. Et en soufflant, cette fois-ci, on va descendre tout notre corps vers le sol. Vous plongez en soufflant vers le sol. Si vos mains touchent le sol, c'est très bien. Si vos mains doivent être sur vos tibias, c'est parfait. Si vous avez les mains posées sur les cuisses, c'est merveilleux. En soufflant, en inspirant, pardon, vous allez remonter votre corps. D'accord ? Acceptez ce dont votre corps a besoin aujourd'hui. Acceptez ce qu'il a envie de faire. On inspire et en soufflant, on descend vers le sol, on plonge. Puis le dos arrondi, on remonte tranquillement vers le haut. Vous l'avez ? Vous êtes magnifique. Maintenant, vous allez le faire avec une respiration sonore. Je dois l'entendre. Vous inspirez et vous soufflez fort. On inspire. Et on souffle. Remontez le dos arrondi. Soufflez ce dont vous n'avez pas besoin. Et inspirez de l'énergie. Vous êtes prêts? Inspirez. Et soufflez. Dos arrondi, vous remontez tranquillement. Une dernière fois, on met tout ce qu'on a. On inspire toute cette énergie qui est à l'extérieur. Elle circule dans notre corps et elle va enlever ce dont vous n'avez pas besoin en soufflant fort. Vous me suivez? Inspirez fort, plongez en soufflant. Et remontez tranquillement le dos arrondi. Vous êtes juste parfait. On va finir cette séance en passant au sol. Vous êtes prêts? Allez, on s'assoit. Vous pouvez être assis sur une chaise ou assis sur le sol, ça ne pose aucun problème. On va faire un petit exercice pour étendre les jambes. Tendez votre jambe gauche, le pied est flex. La jambe droite, quant à elle, va venir être posée contre la cuisse gauche. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez tendre votre jambe et venir mettre l'autre par-dessus. Ce sera plus confortable. Vous devez avoir le dos droit et être confortable. Pour cela, si vous avez besoin que votre pied soit plus vers le genou ou même plus bas. Suivez ce que votre corps vous dit. Une fois que vous avez trouvé une position confortable qui étend bien votre jambe gauche, vous allez essayer tout doucement de vous pencher un petit peu. Suivez les sensations de votre corps. Si vous pouvez attraper le pied, faites-le. Si vous pouvez descendre vers votre jambe, faites-le. Si ce n'est pas possible, vous inclinez simplement un petit peu votre buste. Et c'est déjà magnifique. Prenez quelques respirations à votre rythme dans cette position.
La jambe est bien tendue. Pour les gens qui sont au sol, c'est-à-dire que vous sentez bien le sol sous votre mollet et sous votre cuisse. Pour les gens qui sont assis sur une chaise, vous sentez bien votre talon qui est dans le sol et votre jambe est droite. Après avoir respiré tranquillement, revenez dos droit. On fait la même chose de l'autre côté. La jambe droite est tendue. Vous placez votre jambe gauche. Et une fois que vous avez trouvé une position confortable, le buste droit, vous venez vous allonger sur votre jambe. Acceptez ce que votre corps a envie de faire. Donc attrapez le pied si vous pouvez, la cheville, le mollet, la cuisse. Inclinez simplement votre buste. Votre jambe est bien tendue. Et vous respirez tranquillement. Le challenge ici, c'est votre confort. Revenez dos droit. Installez-vous confortablement, en tailleur pour certains, sur les genoux pour d'autres, ou toujours sur votre chaise. On va simplement faire des torsions du buste. Vos deux mains sont posées sur les genoux. Votre main droite va venir prendre place sur votre genou gauche et la main gauche vient se placer derrière vous. Et pour finir cette torsion, votre regard va se déporter vers l'arrière et venir regarder cette main gauche. Allez-y. Dans cette position, c'est le haut de votre buste qui est tourné. Vos fesses sont posées sur le sol ou sur la chaise et elles sont solides. Il n'y a que le haut de votre corps qui tourne. Respirez tranquillement. Prenez une dernière inspiration. Et en soufflant, vous revenez au centre. Votre main gauche vient se positionner sur votre genou droit. Votre main droite se pose derrière vous, votre buste est tourné et vous allez faire suivre votre tête. Elle va aller regarder derrière. Inspirez et soufflez tranquillement à votre rythme. Pensez que votre dos doit être droit et que vos fesses sont bien ancrées dans le sol. Prenez une dernière inspiration et en soufflant, vous revenez au centre. Vous êtes fantastique. Pour finir ce temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui, je vous propose de revenir dans la position de départ et de regarder à nouveau à l'intérieur de vous-même. C'est plus facile si vous êtes confortablement installé et si vous fermez les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos mains en prière sur votre cœur. Fermez les yeux. Inspirez et soufflez. Vous sentez comment vous êtes installé en ce moment. Votre corps qui est déposé sur la terre, sur la chaise. Et peut-être que vous sentez un peu la différence. Il est plus détendu, plus ouvert. Un petit peu de calme a pu rentrer. Il est plus solide peut-être. Venez mettre vos mains sur le bas de votre bassin et sentez, en prenant une grande inspiration, que votre ventre pousse vers l'avant. Il s'ouvre. Prenez cette grande inspiration, elle remonte le long de la colonne et vous pouvez souffler.
Encore une fois, placez vos mains sur votre bassin et sentez en inspirant que votre ventre vient se presser contre vos mains. Essoufflez. En soufflant, vous pouvez sentir votre ventre qui rentre contre la colonne vertébrale. Faites ce mouvement une dernière fois, complètement fluide. Sentez-le comme une vague qui vient enfler votre ventre, qui remonte le long de la colonne vertébrale. Et au moment où vous soufflez, la vague se retire, votre ventre vient se presser contre la colonne vertébrale. On va continuer ce mouvement respiratoire en venant placer les mains sous les côtes. Et vous allez sentir cette vague qui vient enfler votre thorax. Elle vient le gonfler d'énergie. Elle remonte vers le haut, vous soufflez et la vague redescend. À nouveau, inspirez du ventre, laissez remonter dans vos côtes et soufflez. Faites ce mouvement respiratoire une dernière fois et essayez de le faire bouche fermée. Inspirez par le nez, laissez remonter le souffle. Et quand la vague est arrivée vers le haut, soufflez par le nez cette fois-ci, profondément, doucement. On va faire cette respiration à nouveau trois fois, mais venez placer les mains sur le haut de votre thorax, sur les clavicules, pour sentir cette vague qui part d'en bas et qui vraiment vient envahir tout votre thorax, pour l'ouvrir. Inspirez par le nez et soufflez, peut-être par la bouche cette première respiration, mais pour les deux autres, essayez d'inspirer profondément et de laisser monter le souffle en vous et de souffler par le nez. Une dernière fois, inspirez, une grande inspiration, calme, vient vous emplir. Et vous soufflez, vous expirez délicatement par le nez. Relâchez vos mains et toujours les yeux fermés. Essayez d'écouter, d'entendre ce que dit maintenant votre corps. Quelle est la sensation agréable qui est maintenant présente ? Repérez-la, sentez-la et laissez-la prendre de la place. Laissez-la infuser partout dans votre corps comme une douce vague de chaleur qui vient vous entourer. Maintenant, à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux, vous remercier pour le moment que vous venez de vous offrir. Continuez à prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.